non, y a pas de but. Tes cartes Pokémon! Quoi? Tes cartes Pokémon, je te dis, dépêche-toi! Tiens. Non, je veux pas celle-ci, les roses là! Dépêche-toi! Oui, t'énerve Allez pas! T'énerve pas! Merci monsieur, bonne journée! Salut Clem! Salut Ben. Bonjour. Coucou. Comment ça va? Mais c'est bien ce que tu fais là. Bon, à toutes. À tout à l'heure. Et qui a mangé qui alors? Bah, en fait, lui, il a mangé du verre. Les petits escargots morts. Ouais. Du coup, ça lui donne une grosse indigestion et du coup, il va mourir. Salut Ben. Coucou. Une bataille de monstres. Bataille de monstres. Oh merci Ben. Les roses en plus trop cool. Oh, il fallait pas, t'es trop gentil. Hein. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis toujours pas Bulle Bizarre. Oh. Mais t'as mieux, t'as Ben Bizarre. Ah monsieur, s'il vous plaît, c'est un hôpital ici. Petit salopard, va. Et tu crois que tu me fais rire avec tes conneries? Tu... Excusez-moi, je... Désolé. Ben, t'exagères. On avait dit que t'arrêtais avec le regard trop mignon du chat dans Shrek. Ça marche à tous les coups. Bon, je vais prendre un petit café. Tout à l'heure, ma chérie. À tout à l'heure, pas. Je vous accompagne. Ça va? Tu sais, des fois, j'aimerais juste que les gens nous regardent normalement. Tu comprends? On ne peut pas te regarder normalement. Parce que t'es pas normal. T'es exceptionnel. Ouais, mais j'aimerais juste une fois, hein, pouvoir être dehors, au milieu des gens, et qu'on me regarde pas comme une enfant malade. Que personne me remarque. Juste être comme tout le monde. Il y a une personne de trop dans ce saloon, Pietendre. Et c'est pas moi. Tu quitteras la ville avant demain matin, avant le coucher du soleil. Pas mal, hein? Tu seras à la Puerta del Sol. Ah ouais? Hors de la ville. Très impressionnant. De la bourgade. Ouais, je sais, ça fait ça chaque fois. Wow! J'imagine. Voudou.
Police! On se calme. J'ai la situation en main. Spartans, tonight, we're gonna dine in hell. Are you with me? Je suis Caius Curatus. Pour te servir. Et alors comme ça, vous êtes directeur de banque? Voilà, ouais. Pourquoi? Non, parce que c'est déjà un beau métier. Et donc vous voulez que je mette cette vidéo en page d'accueil de votre site d'acteur? Ça, je sais pas, ça c'est toi le produit net. Non, moi je veux un truc dynamique, tu vois, qui plaise au producteur. Peut-être mettre mon prénom dans des étoiles de couleur qui tournent comme ça. Un truc classe. Ouais. Ou sinon, votre site, je peux vous le faire en français et en anglais. Pour Hollywood. Ouh, ça c'est bon, ça. Ouais. Ça c'est bon, ça me parle. Ouais, je savais que ça vous plairait, ça. Par contre, je suis désolé, mais je viens tout juste d'arrêter de fumer. Chapeau. Ça doit être dur, non? Autre idée. Excusez-moi. Je t'en prie. À côté du prénom, on met mon nom en couleur. Chacune des lettres a une couleur différente, en 3D. Rassurez-moi, vous avez de quoi payer, les gars? On est jeunes, on est des voleurs, c'est ça? Me la faites pas à l'envers. Si vous essayez de m'entuber, je vous... Putain de caméra de merde! Qu'est-ce que tu veux, toi, là-bas? Oh, qu'est-ce qui t'arrive, à toi? Allez, casse-toi! N'importe quelle merde! Vous savez quoi? On passe en 4-4-3, ok? C'est pas compliqué? On oublie l'offensive personnelle. Et surtout, arrêtez de dézoner quand les latéraux montent en zone mixte, putain de merde! C'est quoi une zone mixte? Putain de merde! Bon allez, c'est pas grave les pipiou, de toute façon, on remonte pas, on se bute. Allez, allez, on y va! Allez! Salut toi. Bah, il dit plus bonjour. Bon, moi j'attends toujours ma pension. Tu sais, avec la procédure de divorce, les avocats... Bien sûr. Allez chérie, j'y vais. T'es sage, hein? Alors, t'as fait quoi cette semaine? Elle revient quand, maman? Allez, les pipi, on se retire les doigts du cul! Oh! J'ai gonflé à bloc, tu vois. Je suis sorti de l'hôpital avec le flingue en plastique. Et là, je suis rentré direct dans le truc. J'ai même pas réfléchi, tu vois. Je fais face au mec de la papeterie. Il y a eu une ambiance hyper tendue, tu sais, comme dans Heat, de Niro, Pacino. Et après? Et après, je lui tends mon flingue comme ça. Et je lui dis, file-moi tes Pokémon, sinon je te fume. Et non. C'est énorme, il bouge même pas. Mais non, prends une photo. Cheese. Hey! Enlevez-moi ça! Bande de petits cons! Ça va, frérot? J'arrête. Cette putain de chimie, elle marche pas. Elle marche pas. T'arrêtes rien du tout, dis pas de conneries. Non, mais je dis pas de conneries. Le temps qui me reste, je vais le passer avec toi. Je veux le passer avec vous, les gars. Mais Ben, si t'arrêtes tout, tu risques de... De quoi? De mourir? Mais non, au contraire, je vais vivre, enfin, putain, les gars, je vais vivre. Enfin, je vais... Tu comprends? Allez, t'as un petit coup de blues, ça va passer. C'est rien. Viens, on va te ramener dans ta chambre. Allez. Il est majeur, sa décision lui appartient. Il n'y a vraiment plus aucun espoir. Vous avez l'argent de la banque. Pas le vôtre. La main en l'air. S'il vous plaît, épargnez-moi. Je ne sais même pas où se trouve le coffre. Je ne suis qu'une simple employée. T'en fais pas le maillot. Et si vous me faisiez plutôt l'amour? Il fait si chaud dans cette banque. Ça me donne des envies. Oh.
Il part avec nous. Pourquoi tu m'abandonnes ? Jamais je t'abandonnerai. J'ai juste besoin de retrouver mon frère et mes amis, c'est tout. Et moi ? Je suis pas ton ami ? Toi, t'es mon petit ange. C'est encore plus fort. J'aime pas quand t'es pas là. Papa dit que c'est toi qui me donne des forces. Tu vois ce téléphone ? Prends-le. Dedans, il y a qu'un seul numéro, c'est le mien. On s'appellera tous les jours pour se dire qu'on va bien. Bienvenue à la maison, les gars. Ça y est, j'ai fini la déco. Je t'ai fait plaisir, la grande classe. Ça doit défiler, les meufs dans ton palace, hein. Ben c'est ça, les gars, foutez-vous de ma gueule. Sinon, là-bas, on peut se faire un coin sympa pour Ben, hein. Il y a deux autoroutes à moins de 400 mètres. Vos masques. Mettez vos masques. On veut l'argent de la banque, pas le vôtre. Psst. Le coffre. Ouvre-moi le coffre. Va être bien avec nous. On va s'éclater comme avant. Comme avant ? On sait même pas s'il sera là la semaine prochaine, de quoi tu parles. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là ? Faut qu'on réalise son rêve. On va braquer une banque, les mecs. Bah oui, bien sûr, braquer une banque. On est cons, nous. Pourquoi on n'y avait pas pensé avant ? Non, mais on va organiser un faux braquage. Il en saura rien, juste de quoi le faire kiffer. Mais où tu comptes trouver une fausse banque, là ? À Hollywood, les mecs. Spartans, tonight, we're gonna dine in hell. Are you with me ? J'ai vraiment une gueule d'acteur, hein. Non, je disais, j'ai vraiment une gueule d'acteur. Complètement. Bon, allez, combien je te dois ? Pour te servir. Je veux pas d'argent. Cool. Ça me va, écoute. Bon, mais merci. Hein. J'ai besoin que tu me rendes un service en échange. Ah, c'est ça. Toi, tu veux faire ton film et tu as besoin d'Eric Rosa ? Non. Mon frère va mourir d'un cancer. Merde. C'est grave ? J'ai besoin qu'on me prête une banque. Pour réaliser son rêve. Il veut devenir banquier, ton frère ? Non, il veut braquer des banques. J'ai besoin qu'on me prête une banque pour organiser un faux braquage, comme pour un film. Ah oui, non. De quoi tu parles ? On n'est pas dans un film déjà, et puis moi je suis banquier. C'est-à-dire, je prête de l'argent à la rigueur, mais pas des banques. Tu comprends ? Non, et puis j'aurai jamais l'autorisation, t'imagines ? On n'est pas obligé de la demander, l'autorisation. D'accord, donc tu veux me faire virer en plus, c'est ça ? Bon, écoute, non, c'est pas sérieux, non, c'est n'importe quoi. Allez, combien je te dois ? 3000. Ok, raconte-moi ton scénario. Et surtout, parle-moi de mon rôle. De toute façon, je le fais pas pour toi, je le fais pour ton frère. Tu me promets de pas en faire trop, hein. Quoi, t'as pas vu ma bande démo ou quoi ? Si. Justement. Bon, apparemment c'est là. Buonasera, buonasera, vous avez pas été suivi ? Allez, allez, entrez vite, vite, vite ! Je rentre vite, je connais du monde dans le quartier. Installez-vous, j'ai préparé des boulettes. Cool. Il est 10h du mat. Tu t'installes et tu te tais, tu vas pas vexer. Pelzo di Mozza, regarde ce que j'ai fait là. Allez, vexe pas la famille. Voilà. Régale-toi, mon petit. Merci. Je vous écoute. Bon, monsieur Shirashi. Qui est Shirashi ? Qui c'est Shirashi ? Squillacci, et le respect, oh. Oui, bon, ça va, monsieur Squillacci. En fait, on aurait besoin de vos conseils. On voudrait braquer une banque. C'est-à-dire ? C'est quoi ma part ? Y a pas de part, monsieur Squillacci, hein ? On était d'accord. Oh, je suis pas l'abbé Pierre. Monsieur Squillacci, soyez gentil. Va bene, on réglera ça plus tard. Bon, un braquage, ça dure entre 100 secondes et 3 minutes. Après, les flics y rappliquent, hein ? Donc, chaque mot compte. Ouais, c'est ça, comme dans Hit. Cogno ! De Niro dans Hit, qu'il soit tué ou pas, à la fin, il touche son cachet d'acteur. Capiccio ? Capiccio ? On ne dit pas, c'est un hold-up. C'est trop long, on ne dit pas lever les mains. On n'est pas en boîte de night, ok ? On me dit, la caisse, vite, pense à tes enfants. Sors de là, donne-moi le fric. Allez, fais pas le malin, fais pas le héros. Je suis viril, moi, je suis Squillacci, droit comme un panini, j'en ai rien à foutre, tu vois ? Allô, chérie, c'est Squillacci. Je t'aime, Dieu enfants que je les aime, mais je prépare un prêt ce soir. Tout est fini, finito, finito les linguini. Les mains sur la tête.
Mets les mains sur la tête, je te le dis, j'ai une arme. Mets les mains sur la tête. Va chercher les thunes, vite, dépêche-toi, j'en ai déjà marre. Tu me gaves. Pas toi, reste-toi, t'es nul. Bon, une fois qu'ils ont compris que t'as récupéré le cash, tu le prends évidemment, c'est le butin. Tu t'en vas. Bon, ça c'est pas du cash, c'est la poubelle. Je vais la jeter, 2 minutes, je reviens. Bon, monsieur Rosa, vous m'avez dit pas plus de 30 minutes. Eh, dis donc, toi, tu le veux ton crédit pour tes travaux, là? Alors. Connard. De retour. Tous les grands voyous sont un peu comédiens. Te fie pas aux apparences, c'est du lourd, Scoulacci. Il est dans le game grave. Il est dans le game, le mec. On a toujours rêvé de ce braquage, oui ou merde? D'accord, mais comme un rêve qu'on fait quand on est gosse, comme on rêve d'être pompier ou d'aller sur la lune. Vous allez pas foutre votre vie en l'air. T'as pensé à Max, toi? Mais lui, il pense à moi, peut-être. Il s'en fout, mon fils, de moi. Non, mon fils, il pense pas à moi. Il est mort. Et mon frère, il est malade. Vas-y, ferme ta gueule, Corleone, là. Tu m'as saoulé, là. T'occupe pas de nos vies, frérot. C'est la tienne qui compte. Bah, je suis désolé, mais je le sens pas, les gars, vraiment. Je peux pas vous laisser faire ça pour moi. Vous êtes des oufs. Tu vas vraiment le faire, putain. Avec ou sans toi, frérot. C'est de ta faute aussi, là. T'aurais rêvé de tourner dans un porno, ça aurait été moins compliqué. Bah ouais, on aurait pris la mère de Franck et c'était réglé. Pour faire l'amour à la mère de Franck, c'est comme un bon braquage. Ça dure entre 100 secondes et 3 minutes. Bon, tout d'abord quelques conseils de banditi à banditio. Si tu prends le vigile en otage avant d'entrer dans l'agence, ils ne déclencheront pas l'alarme. On n'a pas le droit pour pas mettre l'employé en danger. Enfin, ils n'ont pas le droit. D'abord, moi, je sais pas, je suis Scoulacci, le banditi, je suis pas un banquier. Capiccio? Capiccio. Autre chose très importante, l'un d'entre vous doit s'occuper des otages. Il n'y a rien de pire que de terroriser un otage. Après, dans la panique, il peut faire n'importe quoi, prendre peur, faire... Tu l'as vu le film avec Mel Gibson? Tu fais n'importe quoi. Bougez pas! Tout le monde reste calme! Le directeur de la banque, il est où? Dans ton cul! Mais Franck, tu fais chier là, rentre dedans un peu! Mais les gars, qu'est-ce que c'est cette merde? Amatore! Et puis il y en a un autre qui attend dans la voiture, à l'extérieur, avec le moteur qui chauffe. Ok, c'est bon, j'ai compris. Je vous préviens, les gars, si je conduis mon taxi, je fais tourner le compteur. Hein. Bon, les banquiers sont formés à étudier le profil des braqueurs. Donc il va falloir vous créer des personnages, comme dell'arte. J'ai des perruques, j'ai des robes, on va s'amuser. Bouge la nouille là, bougez les linguini, allez, ça court. Scoulacci n'a jamais vu ça, là. Jamais. On va braquer une banque là, pas une épicerie les gars. Allez les gars, on lève les jambes là. Ouais, bah plus, raconte-moi ta journée. Ouais. Demain c'est grand jour. On y est frérot. Y a vraiment aucun risque que quelqu'un déclenche l'alarme. Non, non, toute l'agence sera au courant, vous êtes fous. Ok, quoi d'autre? La guichetière s'appelle Mireille. Pas de remarques désobligeantes sur son physique, ok? Ok, monsieur, vous inquiétez pas, on va être poli. Ouais. Et 1, 2, 3, let's go! C'est à vous de remplir le bordereau. Mais calmez-vous, madame. 40 ans que je suis cliente ici. Oui, je sais, Appelez-moi monsieur Latuyère. Personne ne bouge. Tout le monde reste calme. Bonjour, monsieur, madame. On va tout vous donner. Dégage, dépêche-toi. Ne nous faites pas mal. Prenez-vous. Personne ne bouge. Jouez pas en haut. Dépêche-toi. Avance. Même la vieille, là. Allez, toi aussi, là. Rentre. Tu tords. Ok, Mireille, tu débranches les caméras de vidéosurveillance, ok? Tu joues pas à la maligne parce qu'on sait où t'habites. T'as vraiment des coups de chat, Eric? C'est une bombe, Mireille. Oui, mais je m'appelle pas Mireille. Ok, Mireille, tu veux ce que je te dis? C'est débranché, là? Ok,
merci, Mireille. M'appelle pas Mireille. L'argent dans le sac, vite. Mal. Oh putain. Retourne-toi, retourne-toi. Spécial, on braque ta banque. Ça m'étonnerait parce que dans ma banque j'y suis et vous non. Elle arrête de te foutre de ma gueule et passe-moi les hauts. Hey, ton agent c'est bien Crédit du Rhône-Alpes, ami du général Leclerc. C'est Crédit du Rhône-Alpes, boulevard Leclerc. Quoi, boulevard? C'est Eric. Le mec a même prévu les figurants, quoi. Mais t'en fais pas un peu trop, là? J'ai pas fait tout ça pour que Ben connaisse le truc. Je vais te dire, des petites bandes vidéo au micro-ondes avec une petite sauce à l'ail. Ah. Me too di bici. Ça sent la Provence. Merci pour tout, hein. Vous avez assuré. On y croit grave. Mireille, je te kiffe. Poussez-vous, poussez-vous. Putain, il est con, c'est Eric. Putain, le truc de ouf. Mais les gars, on prend Mireille. Putain. On est dans le game ou pas, les gars? On est dans le game ou pas? Putain, ralenti, t'as failli l'écraser. Putain, par contre, je crois que j'ai perdu la perruque, le gars, il m'a grillé. Quoi? T'inquiète, c'est pas grave, Ben, il a vu quoi, un chauve? T'inquiète, on risque rien. Si je te dis, tu vas finir par nous tuer, c'est un faux braquage, je te rappelle. Putain, calme-toi, putain. Donc ils ont pris en otage le patron de la banque et ils ont tasé une vieille à la fin. Ils ont tasé une vieille ? Ils ont tasé une vieille. Bon, c'est bien ça. Trouve-moi les vidéosurveillance. Ok. Commissaire. Je crois que Živović a été libéré il y a une semaine. Ça ressemble à sa signature, non ? Donc on se dit même plus bonjour, quoi. Bonjour. Bonjour. C'est vous le directeur ? Non. Putain, trouvez-moi le directeur, putain ! Les gars, merci pour aujourd'hui. C'était incroyable. On fait quoi des faux billets? On les brûle? Quoi? Ce serait con, ils sont super bien faits quand même, non? Combien là? 100 000 au moins? D'accord, ok. Non, moi je suis avec mon frère et les gars là, tranquille. Ouais, wow, chill quoi. Je suis sûr que ça va bien se passer. Putain, je le crois pas, le mec est taxi quoi. Tu l'aurais fait exprès, il serait même pas arrivé. C'est ce compte GPS, il a confondu la ville et le boulevard du général Leclerc. Le mec est taxi. C'est son métier, le mec est taxi. C'est pas de ma faute les gars, tu diras ça aux flics. Mais ça se trouve, ils remonteront jamais jusqu'à nous. Mais bien sûr qu'ils vont remonter jusqu'à nous, putain. Le mec est taxi. Vas-y, filme une clope. T'as pas arrêté frérot? Si. T'entends des sirènes de police là? Non, tout s'est bien passé. Et puis tu seras bien content quand il faudra partager, hein. Bon, calmez-vous, les gars. En attendant, on reste cachés ici, d'accord? Je peux pas, je bosse, moi. C'est quoi ton taf? C'est quoi son taf? Taxi. Le mec est taxi. Putain, mais je le tue. Calme-toi. T'es taxi, c'est ton métier. C'est le mec est taxi. Ouais, mais il débute. Ah, ça fait 10 ans. Moi. Ça fait 10 ans que tu fais quoi? Que je suis taxi. En plus, ils arrêtaient pas de m'appeler. Mireille. Okay. Vous, je n'ai pas du tout Mireille. Vous occupez des caméras de surveillance. Il y en a encore pour longtemps, je voudrais rentrer chez moi voir mes gosses. Je vais vous demander un petit effort quand même. Mais j'ai déjà tout dit, ils étaient trois, ils portaient des maillots de l'équipe de France, voilà. Je suis choqué, vous comprenez ça? Je vous trouve pas si choqué, moi.
Tu le trouves choqué, toi? Pas très choqué, non. Ils ont brûlé une disque-dure de vidéos de surveillance. Merci. À part le personnel, qui est au courant que les vidéos de surveillance sont sauvegardées sur le disque dur de l'agence? Il est sur le directeur d'agence, le siège. Pourquoi? Les braqueurs, ils sont bien informés parce qu'ils ont pris la peine de les supprimer. C'est bizarre, non? Le plus jeune, il était chaud. Ben voilà. Chauffe comment? Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce pognon, là? Je sais pas, on va commencer par acheter un cerveau à Franck. Pour ça, il aurait fallu braquer la Banque de France. Drôle. C'est ici la première fois que j'ai pécho. Ouais, Pauline, la fille d'entraîneur. Pauline. Oh, elle était bonne, elle. J'aurais donné une couille pour me la taper, mon pote. Eh Ben, je peux te poser une question chelou? Dis-moi. Avec la chimio, t'arrives encore à... Enfin, t'arrives à... Bander? Ouais. C'est plus psychologique que physique. Tu comprends? Ouais. Enfin, non. Non. Quand tu te regardes dans une glace et que tu vois que t'as une tête de merde, mais t'as du mal à imaginer qu'une meuf aura envie de toi. Voilà. Mais c'est d'ailleurs pour ça que Franck est toujours puceau. Bon, allez, je vais aller me coucher. Manny. Pose-toi, petit frère. Home again, home again. One day I know I feel home again. Wrong again, wrong again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you old. So I'll close my eyes and look behind, moving on. Lost again, lost again. One day I know I'll pass through course again. Smile again, smile again. One day I hope to make you smile again, and I won't hide. Many times I've been told, speak your mind, just be bold. So I'll close my eyes, won't look behind, moving on. So I'll close my eyes, and the tears will clear. Then I'd feel no fear. Then I'd feel no way. My path would be made straight. Moi, quand je serai guérie, je serai une grande danseuse. Tu les as tes cartes en jeu? Ben non, t'es trop nul, tu comprends jamais rien de vrai. Ça, je comprends pas les règles. Elle s'est jamais plainte de rien, tu sais. Tout ce qu'elle voulait, c'était d'être comme tout le monde, en fait. Au milieu des gens, que personne ne la remarque. C'est tout. C'est tout.
Si à l'hôpital ils ont la diabène, c'est qu'on n'est pas grillé. Alors on fait quoi du blé? On se partage? Non. Bruno, le père d'Emilie, a monté une association pour les victimes de l'explosion de l'usine, comme sa fille ou moi. Tout va pour lui. Attends, ils ont vraiment besoin d'autant de blé? Il y a 17 familles avec des gosses malades. Alors tu divises le blé par 17 et tu verras qu'au final, ça fait pas grand-chose. Ah justement, si tu divises par 18, ça changerait pas... On fait comme il a dit. Sûr qu'il va s'acheter une Porsche. Je suis venu vous déposer les statuts de notre association. Très bien, merci. Et un peu de fonds. Ce sont des dons anonymes. Police ! Monte tes mains ! Monte tes mains ! Monte tes mains, je te dis ! Montre tes mains! Attends. Tu les gardes apparentes! Bruno Hadji? J'ai ici une commission rogatoire du juge Brisson. Je comprends rien, là. Les billets étaient marqués. Quoi? Donc, madame, vous êtes de nationalité argentine. Oui. Je vois pas où est le rapport. Moi, je vois pas où est l'argent, là. Allez, c'est bon, là. Dites à vos hommes d'arrêter, s'il vous plaît. C'est bon, on arrête. On a déposé cet argent devant ma porte. Qui? Robin Desbois? Moi aussi, j'avais du mal à y croire, mais... Et depuis quand des truands, ils donnent leur cash à une association? Vous voyez que le monde n'est pas si mauvais que ça. C'est ça. Tu faisais quoi samedi midi? J'enterrais ma fille. Donc, le drame de l'usine pétrochimie a lieu le 13 septembre 2000. 11 morts, 57 blessés. C'est la plus grosse explosion industrielle jamais vue en France. Et là, on a Bruno Hadji. Il est président de l'association des victimes. Et d'après lui, un gaz toxique se serait échappé juste après l'explosion et répandu tout autour de la zone, provoquant des cas de cancer. Des gamins, pour la plupart. Attends, les familles des victimes n'ont pas été indemnisées pour ça? C'est pas notre boulot. Mais si, ça nous donne un mobile. Mais j'en sais rien, moi. Il y a peut-être des mecs sensibles qui veulent faire justice. Tiens, passe-moi une clope. Ils prennent l'argent du système d'un côté, ils redistribuent ça de l'autre. Sans rien garder pour eux. Bah, t'as une meilleure idée, toi? Moi, je sais pas, y a plus rien qui m'étonne, tu vois. J'ai pas fumé depuis 15 ans. On enquête sans faire de bruit. On agit vite. Et on évite que les journalistes s'intéressent de trop près à notre enquête. Je propose qu'on commence par les familles de victimes. De toute façon, on n'a pas grand-chose d'autre. Bon, bah, on s'enlève les doigts du cul, on y va. Allez. Personne au bout du fil, là. Chien. 17 personnes sont concernées par le drame pétrochimie. Avec leurs proches, ça fait une centaine de suspects. Ok. On a identifié Monsieur Prop, là? Il faut qu'il prenne ses gouttes, Léo. Merci de me recevoir et de regarder attentivement cette photo. Vous connaissez ce jeune homme? Oui, c'est Ben. Il partageait la chambre de la petite Émilie. On peut le voir où, ce Ben?
Excusez-moi, mais en fait, j'ai beaucoup de travail. Je comprends, mais on peut le voir où, ce Ben? Il a quitté le service il y a quelques jours. Quitté, c'est-à-dire? Il est guéri? Non, mais en fait, pourquoi vous voulez le voir exactement? J'ai besoin de lui poser quelques questions. Il a l'adresse, ce monsieur? À droite. Et bam! Allez hop! Encore gagné. Tiens, petit frère. Il est très facile à battre, tu vas voir. Tricheur. Tu vois, frérot? On a vu chercher les médocs de Ben à la maison. Faut que tu restes un peu plus que là, non? On sait jamais. Ben a besoin de ses médocs. Donc je vais les chercher, un point, c'est tout. À tout. Je vais garder une part de pizza? Non, c'est bon. Ça fait 10 ans qu'on est en procès avec Petrochimie. Putain, les gars, il y a Bruno à la télé, là. Et la justice nous laisse crever. C'est sûr que pour récupérer du pognon ou arrêter les robins des banques, là, ça traîne pas. Vous appelez les robins des banques se soupçonner d'avoir braqué le crédit du Rhône-Alpes? Et surtout ceux qui ont reversé cet argent à mon association. Et quitte à me faire arrêter, je voudrais en profiter. Parce que s'ils nous écoutent, je voudrais vous dire, faites gaffe. Les billets étaient marqués et les flics sont sur vos traces. Merde. Merci. Léo? Putain, ils doivent déjà être chez lui. Je trace. Taxi! Taxi! Monte, putain, monte, monte! Éteins! Merde. Oh, j'étais là avant. J'hallucine. Le mec est taxi, quoi. Pour Ben, on va trouver une pharmacie d'ouverte, je te le promets. T'es con, quoi? Il a pas un rhume? Ouais. T'as toujours le costume de flic dans le coffre? À ma portière, merde! Bon, bah c'est clair, on n'est pas sur du grand banditisme. Tu me lances un avis de recherche sur les frères Léo et Ben Pérez. Ça marche. Et puis vous me retrouvez ses coéquipiers, tiens. Vous me faites tout le voisinage. Ça doit être des anciens camarades d'école ou un truc comme ça. Ok. Tiens, c'est des amateurs. En cas d'interpel, on sait pas comment ça peut réagir. Bon, vaut mieux les serrer avant que ça dégénère, parce qu'ils ont l'air d'aimer les mêmes films que nous. Bon, toi et tes collègues, là, vous me... Oh, hé, hey, je te parle. Oh, avec tes collègues, là, vous me surveillez l'immeuble. Hein? Et si ça bouge, vous nous prévenez. Oui, monsieur. Bon, allez, on remballe. Ah, mon coco, faut pas être timide comme ça, hein? Allez. Oui, madame. On peut pas rester ici, les gars. Ça craint trop. Je veux pas me faire violer sous les douches. Ça doit faire mal. Mais mon fils... Bon, c'est vrai, il aime pas trop me voir, d'accord, mais quand même. Laissez les gars, je vais me dénoncer à votre place. Je dis au keuf que j'ai fait le coup avec d'autres mecs, et puis voilà. Oh, putain. Oh, merci mon Ben, tu me soulages, là. C'est une bonne idée. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Du coup, on va te dénoncer, toi. Je trouve que c'est une meilleure idée. Qui est chaud? Chaud? Chaud. Je suis au grave. Mortel? Ok, c'est bon, j'ai compris. Personne te dénonce. Et voilà, t'as compris. Tiens, Lounès, tu me passes une clope? Ok. T'as pas arrêté de fumer, toi? Si. Tu m'en passes une aussi, s'il te plaît. Eh, franchement, tu devrais pas fumer, je crois. C'est pas bon pour ta santé. Ok. Portable, on s'en débarrasse. C'est terminé tout ça. Attends, faut que je parle à mon fils là. Eh, hey, je vous préviens les gars, personne touche à mon portable. J'ai trop de trucs dedans. Voilà, plus que 347 photos les gars. Après, je fais les musiques et on est parti. Voilà. Synchronisé là. On est parti. On est parti, putain. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais une chambre pour 4 personnes, s'il vous plaît. Vous avez une carte de crédit? Non, on s'est fait voler nos papiers, malheureusement. Il me faut un nom, quand même. Oui. au nom de Squilachi. Squilachi. Squilachi, avec un chi, comme ça se prononce. Pour 4 personnes, il me reste que la familiale. Bah, très bien, on va prendre la familiale, alors.
la familiale, chambre 23. Merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, mademoiselle. Je la sens pas, cette meuf, elle est chelou. Ah ouais, mais elle est méga bonne. Ah ouais, ok. La chambre familiale, quoi. Allez hop, lit château fort. Je prends le lit du haut. Non, non, c'est moi, sans le matin. Suite à une perquisition à son domicile, Bruno Adjé, le président de l'association des victimes de l'usine Pétrochimie, a été placé en garde à vue. La police le soupçonne d'être impliqué indirectement dans le braquage du Crédit du Rhône-Alpes et les enquêteurs recherchent activement de jeunes hommes décrits comme chauves suite à des traitements nécessitant une chimiothérapie. C'est pas grave, frère. Dégage. Bruno vient de perdre sa fille. C'est dégueulasse. Griller pour griller, on va se les faire. Mon nom est Léo Pérez. Mais ça va, ça va. Et même si j'y arrive pas, mais ça va. Mon nom est Léo Pérez. Je suis un Robin des banques. Nous sommes non violents, contrairement à la police qui s'acharne sur un pauvre type qui vient tout juste de perdre sa fille. On nous traite de voleurs. On n'en a rien à foutre de l'argent. Ce qui n'est pas le cas de Pétrochimie. D'ailleurs, parlons-en. Il y a 10 ans, cette usine de produits chimiques a explosé dans notre ville. Des dizaines d'enfants sont tombés malades dans notre quartier. C'est le cas d'un petit frère. C'est dans cette même usine que nos parents sont morts. À l'époque, ces dirigeants nous ont juré qu'il n'y aurait aucun effet néfaste sur la population. Et ils n'ont jamais été inquiétés. Pourquoi? Parce que ces ordures préfèrent dépenser des millions en avocats chaque année plutôt que d'indemniser les familles des victimes et avouer leur faute. J'ai décidé de braquer des banques pour indemniser 17 familles, 50 000 euros chacune. J'entends à la télé que les flics cherchent un gamin chauve en parlant de mon frère. Mais vous n'avez pas honte. Ils n'ont pas déjà assez souffert comme ça, ces mômes. Vous voulez des chauves? Pas de problème. Si vous croyez en notre cause et si vous la trouvez juste, alors faites comme nous. Et puis, avec tous ces chauves à contrôler, les flics auront peut-être un peu plus de mal à nous serrer. Ah putain. Et un, et deux, et trois. Et on est presque à 2 millions de vues, ce petit con. Let's go. Je te jure. Ah non, non, non. Moi, ça n'a rien à voir. Je perds mes cheveux. Ouais, bah tu mets une casquette alors. Putain, on a l'air de quoi là? Bonjour. Est-ce que vous avez vu ce taxi? Bah non, ça me dit rien du tout, moi. Vous êtes sûr? Oui. J'ai que dalle. Moi non plus, j'ai rien. Merci. Merci. Oh, tu viens? C'est pas eux, viens, putain. Excusez-moi, monsieur. Comment tu sais que c'est pas eux? Là, fais l'hôtel, là.
va, on va quand même pas contrôler tous les chauves de France. Hein. Merci. 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 Vous le croyez, les mecs? C'est mon fils qui a créé notre page Facebook. C'est génial. Qu'est-ce qu'on va niquer avec ça? Arrêtez, les gars. Eh, hey, oh. Attends. Donc le chauve ne vit pas la nuit. Ça, on le saura. Mais sinon, ça valait le coup quand même, la commissaire? Raconte-moi un tout petit peu. Je fais le mec qui sait rien après. Je la regarderai pareil qu'avant. Allez, bouge. Oh! Oh, je vais faire un petit somme, moi. Tu me réveilles dans 10 minutes. Chauve, chauve, chauve. Oh, t'es con. Pute. Tu me connais trop bien. Prends les hôtels. Bon, moi, je fais le reste. On se fait un petit déj après. Putain. C'est vraiment de la merde, ce téléphone. Y a même pas de jeu. Allô? Vous les avez jamais vus? Ici, dans l'hôtel? Non, mais je les reconnais, c'est les braqueurs chauves d'Internet. Ok. Et ce taxi, vous l'avez vu? Non. On se casse. On se casse. On se casse. On se casse. Bon, je vais quand même jeter un coup d'œil aux chambres. Donc attendez. Donc dans la 40, il y a un couple de Chinois. Dans la 23, des Roumains, bon, honnêtement, je sais pas combien ils sont. Un clodo dans la 16, des VRP en 19 et 42. Okay, et les on va laisser tomber les chambres. Tenez, si vous les voyez, bonne journée. YouTube. S'il te plaît, non, arrête, fais pas ça, s'il te plaît, arrête, arrête. Vous aviez l'air plus pro sur Internet, hein, quand même. Non, mais Franck, putain, tu déconnes, non? Au moins 1 million de vues, je te jure, on parie? Allez, un petit sourire. Attends, où est-ce qu'on est? Et merci, non? Bon. Merci. Votre voiture est repérée, on prend la mienne. Quoi? J'irai avec vous. Ok, donc c'est sûr que non. Non, non. Bah attends, en même temps, une nana dans la bande, c'est bien, elle s'occupera bien de nous. Ouais, je repasserai tes caleçons et tu m'appelleras maman aussi. Si j'avais pas été là, vous seriez reparti avec les flics. Ça fait de moi votre complice. Non, non, écoute. Au fait, c'est quoi ton prénom? Amna et toi? Lounès, ça veut dire compagnon de fortune en arabe. C'est surtout lundi en espagnol. Est-ce qu'elle est dans le game? Grave. Ça veut dire quoi être dans le game? Mais ça veut dire que t'es là, quoi, que tu la pousses, tu vas la chercher comme il faut, quoi, tu vois? Non, j'ai rien compris. Ça veut dire que tu défonces, voilà. Ok. Les flics reviennent! Vite, saute dans le coffre, saute dans le coffre! Ok, t'as compris comment fonctionne notre gang. Allez, on va prendre le reste des affaires, on se casse. Ils sont partis! Ma portière! Merde! Bon, désolé, hein, mais ta voiture, elle était cramée. Bon, les gars, on va chez moi. On sera en lieu sûr. J'ai une coloc, mais elle bronchera pas, vous pouvez lui faire confiance. Une coloc, elle est bonne? Je mets une option. D'où tu mets une option, toi? Elle aime les hommes mûrs ou pas? Non, mais regardez, les deux, elles se battent pour une meuf, c'est vraiment des bouffons, quoi. Grave. Grave. Elle aime les chauves? Comment ta coloc? T'as une photo? Non, les hommes mûrs. Et moi, je viens de perdre ma caisse, les gars, j'ai besoin d'être consolé. Ta gueule. Non, arrête. Franchement, elle aime les grands. Faudra aller chercher des duvets à la cave. Non, mais au pire, on pourra se serrer, quoi. Vous faites comme vous voulez, les mecs. Elle est où, ta coloc? Putain.
jeter un œil à une vieille dans le salon, là. Mais non, c'est Huguette, ma coloc, elle est sourde et muette. Je vous avais dit de pas vous en faire. Ah bah voilà, Franck va enfin pécho. Oh. Ah bah non, ça va pas pécho. Ah cool, merci, ça faisait des mois qu'ils étaient coincés. Tu viens à peine d'arriver dans la bande, mais t'as déjà compris qui était le boss. Je les kiffe, ces gamins, tu sais. Ils me respectent comme mon fils me respecte. T'es une brave môme. Ça sent super bon, t'assures. Merci, c'est ce que ma mère me dit tout le temps. Tu viens encore chez tes parents? Ouais. Ils peuvent pas vivre sans moi. Tu vois, c'est comme ce groupe, en fait. J'en suis pas que le leader. J'en suis aussi l'âme. Allez, file, gamine. Laisse faire le chef. T'es pas rien. Je te dis, j'ai mal, toi, t'appuies. Ouais, pas, t'as rien. Pas rien, arrête de conneries. Pas de respect. En fait, on en connaît pas trop sur toi, là. Ouais. Pourquoi tu t'es retrouvé à faire une coloc avec une dame, là? Pourquoi tu bosses dans un hôtel la nuit? T'as pas de famille ou quoi? C'est une longue histoire. Un divorce compliqué. T'es divorcé? Mais non, mon père. T'es divorcé de ton père? Putain, mais qu'il est con. Bon, on parle d'autre chose, là. On parle boulot. De quel boulot tu veux parler? Bah, les braquages. Vous avez bien une autre banque en vue, non? Excellent, ça. Tu peux toujours espérer, ma grande. Ok, ok. On le joue au poker. Pff, si tu veux, mais ça change rien. Moi, de toute façon, j'aime pas le poker. Au strip poker. Ouais, pas ok, mal. On peut faire un truc. Ouais, 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 je suis d'accord. J'allais prendre le poker. Non, mais vous trichez grave, là. Laissez-moi, moi, me recaver. Bah, paye en calories, t'es milliardaire. Sale bâtard, vous m'avez saoulé. C'est le moment. Eh, mais tu vas où? Vendre du shit. Max. Chez Jordan. On est samedi, maman, je reviens dans une heure. Ok. Pourquoi tu t'es coupé les cheveux? Je voulais me raser la tête pour faire comme vous. Mais maman, elle m'a arrêté. Ça va? On parle que de vous à l'école. Bien vu de me contacter par la page Facebook. Comme ça, la police peut pas te localiser, c'est ça? Eh ouais. Je pars avec toi. Tu connais ta mère. Elle nous trouvera plus vite que les flics. Et avec eux, c'est la peine de mort assurée. Attends, je vais t'expliquer. C'est pas de sa faute, c'est de la mienne. Voilà, c'est ça. Elle est bonne. Mais grave. De ouf. T'aimes. Eh, les gars. Je vous entends, en fait, hein, je suis face à vous. Pardon. Ouais. Juste une question. La quinte balle brûlant. Oh, ah ouais. Merci pour l'info, je le saurai pour la prochaine fois. Quoi? T'as vu Max? T'es content? Je peux pas rester, les flics peuvent débarquer. Non mais arrête, hein. Depuis quand t'es un gangster, toi? T'as peur de ton nom? C'est une idée de Léo, c'est ça? Tu te laisses influencer par des gamins de 10 ans de moins que toi? Au départ, c'était même pas un vrai braquage. C'est Franck qui s'est trompé d'adresse avec le GPS ou... Franck? Bien sûr, le mec est taxi, putain. T'as déjà fait l'amour avec un gangster? À quoi tu veux? Et les flics? Ta gueule. Mais ça, s'il te plaît. Merci, monsieur, c'était parfait. C'est bon, c'est bon, tu peux te lever, hein. Ouais, bah, désolé. C'est bon, on peut se rhabiller, nous? Je fais partie du prochain braquage? Ouais, bah, c'est bon, tu fais partie du prochain braquage. Cool. Bon, alors, le brief aujourd'hui, il est simple. Tiens, Anna, tu peux t'asseoir, s'il te plaît, c'est gênant.
Merci. Cette fois-ci, on va pas du tout faire comme la dernière fois. Tu veux dire organiser un faux braquage, mais se tromper pour au final braquer une vraie banque. Tu savais? Mais oui, je savais, je vous ai entendu l'autre soir. Franchement, les gars, c'est fou ce que vous avez fait pour moi. Vraiment. Je vous aime. Bon, allez, dis-moi, frérot, c'est quoi ton plan de génie? Ouais. Qu'est-ce qui fait une grande équipe? Des grands joueurs. Alors, postes respectifs. Exactement. On va chacun utiliser nos compétences. On va chacun faire ce qu'on sait faire de mieux. Lounès, toi, tu vas bouffer. Je me suis déjà occupé de toute la partie informatique. Genre, t'as piraté une banque? Non. Juste leur clim. Ben, t'auras juste à gérer tout ça à distance. Le détecteur de métal sonne. On a une maintenance de prévu. Je sais pas. Attends, je regarde le planning. Non, j'ai rien. J'appelle le PC sécurité. Ah bah non, 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 c'est bon, je viens de recevoir une notification. C'est le siège qui l'envoie pour la clim. Pour une fois qu'ils sont réactifs. Bonjour. Bonjour madame, je connais le chemin. Je suis médecin. Elle fait un malaise vaginal. Vagal, idiot. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Cette jeune femme fait un malaise vagal. Laissez-la respirer, poussez-vous, poussez-vous. C'est pas possible, il fait beaucoup trop chaud ici. Vous n'avez pas de clim ou quoi? Elle est en panne depuis ce matin. Je ne sais pas si cette jeune femme va survivre. Mon enfant! Sauvez mon enfant! Elle a un enfant! Du Jésus! Dis-moi si ça peut aider, la clim remarche sous-sol. Vous êtes qui, vous? C'est le technicien envoyé par le siège. Ah. Mais fais-moi la portée, s'il vous plaît, monsieur. Donnez-moi un coup de masse, s'il vous plaît. Oui, c'est pas possible. Elle est beaucoup trop lourde. Monsieur le directeur, aidez-nous, s'il vous plaît. Merci. C'est gentil, merci. C'est bien. Ça va aller. On y est presque. Ok. Tu bouges, tu cries, je tire. Lève les mains! Le coffre, vite! Et bouge ton cul! Avance, avance! Tout va bien, elle est sauvée! Elle va coucher, c'est merveilleux, c'est un garçon! C'est bon, la clim est réparée! Non mais ils ont fait de mal à personne. De toute façon, cet argent, il est assuré, hein. Bah, rasez-vous la tête. Mais je vais vous dire, j'y ai pensé. Quelle honte, ce pétrochimie. Tous ces mômes avec le cancer. Moi ça me fout en l'air en tant que mère, hein. Pas vous. J'ai du mal à me projeter en tant que mère, moi. Ça va, papa? Bah oui, ça va. Leur bande s'est agrandie. Jean-Louis, Élise. Tiens, regarde, je sais pas qui c'est, mais on dirait que les Robins ont trouvé leur Marianne. Je suis con. Tu vas où, là? Si tu sais pas qui c'est, comment tu sais qu'elle s'appelle Marianne? T'es con ou t'es con, Jean-Louis? J'en sais rien, moi, de comment elle s'appelle, mais Robin. Marianne. Mais Robin des Bois. Putain. Quand tu penses que ce mec a un flingue? Selon nos dernières informations, l'attaque de la banque, sans violence semble-t-il, serait l'œuvre des Robins des banques. Les victimes de pétrochimie pourraient bientôt recevoir de bonnes nouvelles. Et selon... Yes! Super! Yes! C'est toi, mon frère. Purée. Joyeux anniversaire! Merci! Merci, putain, mais je pensais que vous avez oublié, moi. Mais comment tu veux qu'on oublie? Surtout que c'est peut-être le dernier. Vraiment con. C'est quoi ça? Attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est le cœur, fils. Calmez-vous, putain. Main sur la bite. Quoi? Ouais.
pas, frérot, c'est psychologique. Psychologique. Dégage. Mais quoi, mais on l'a droit, j'ai payé. On prend les perruques, on va faire un tour. Psychologique. Bon, maintenant qu'on a trouvé l'argent pour les familles, faut qu'on trouve un moyen pour le blanchir. On peut pas se permettre de refiler de l'argent sale à Bruno comme la dernière fois. T'as une idée? Pas encore. Ça ne saurait tarder. Chut. Oh, encore une stripteaseuse. Eh, c'est pour moi ce coup-ci, les gars. Ta gueule, merde. Ouvre la porte doucement et recule. Ouvre la porte doucement et recule. Doucement, doucement. Fais voir ta main. Voir ta main. Viens avec moi. Moi. J'ai bouclé le quartier, vous bougez pas. Vous restez tranquille, sinon c'est lui qui prend. T'inquiète pas, frérot. Allez, recule, recule. Voilà, ferme la porte. C'est bien. Puis là, petit frère. T'inquiète pas. Mon frère et les autres, ils sont pour rien, j'ai tout organisé tout seul. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, je veux ton flingue. Quel flingue? Le jouet en plastique, là, que t'as dans le dos. Ah ouais? Et qui est-ce qui vous dit que c'est un jouet? Eh ben, vas-y, tire. Ok. Celui-là, c'est un jouet, mais on en a d'autres, hein, et des vrais. Je savais, putain, des flingues en plastique et des téléphones prépayés que j'ai tracés en 5 minutes. Vous êtes vraiment des amateurs. Des amateurs? Ça fait des semaines qu'on vous en fout. On passe sur toutes les chaînes d'infos, à la radio, même sur Internet, on vous fout la loose. Faire de nous des amateurs, c'est pas très flatteur pour vous et votre petite équipe. Je vais t'arrêter, Léo, toi et tes copains. C'est pas pour nous qu'on fait tout ça. Mais je sais que t'es pas un bandit. T'es juste un con. Le problème, c'est que t'es un con sympa et populaire. Et qu'avec tes conneries, les mômes, ils sont tous en train de se raser la tête. C'est quoi la prochaine étape? Tu vas leur proposer de braquer des banques avec toi, c'est ça? Alors sur les réseaux sociaux, t'es peut-être très grand, mais dans mon monde à moi, t'es tout petit. T'existes pas. Puis franchement, t'allais faire quoi? Blanchir l'argent? T'as des contacts dans le grand banditisme, toi? T'arrêtes tes conneries tant qu'il est temps. Hein. Vous êtes venu pour m'arrêter, me raconter votre vie. Ta gueule. Ta seule chance, c'est demain, 8h au commissariat avec le blé. C'est pas la même pour les juges, si vous vous rendez. Tu pourras peut-être même négocier d'accompagner ton frère dans ses derniers moments. Pourquoi vous faites ça? Tu vas le regretter si t'es pas avec ton frère à la fin. Je te propose un pacte, là. Mais c'est moi qui dicte les règles, t'as compris? Demain matin, au commissariat, 8h, c'est clair? Oui. Entre nous, c'est un contrat de confiance. Ok. Inspecteur Darty. Il y a un voisin qui vous a identifié. Mes collègues, ils sont là dans pas longtemps. Si j'étais toi... Casse-toi! On fait tout ça pour que les gamins n'aient pas le blé. Bon alors, on fait quoi, là? On va chez mon père. Vous inquiétez pas, avec tout l'argent qui planque aux impôts, sa maison a jamais été à son nom. On y va. Bonne chance, les Robins. Quoi? Elle parle? Elle marche? Oh non, me dites pas qu'elle voit, en plus. Si, petite bite. C'est beau ce que vous faites pour les gamins, mais soyez prudents. Soyez tous prudents. T'inquiète pas pour moi, ma belle Anna. Par contre, garde mon fauteuil roulant. Parce que si vous avez besoin d'entrer dans une banque avec les détecteurs de métaux, tu comprends? Pas mal, c'est une bonne idée. Au revoir, Huguette. Au revoir. Ah ouais, ok. Ton père, il est overblindé, en fait. Ouais, bah ça l'empêche pas de nous laisser crever, ma mère et moi. T'es sûr qu'il va pas se pointer?
Non, il est à Bali pour quelques mois. Dis-moi que t'as les clés. Peut-être. Ah, le truc de ouf. Elle est chauffée ? Ouais. Alors, elle est chauffée ? Man, come on and try me, I'll make you understand. Don't just look, come on and take it. Cause what I've got, you know that you can't fake it. Cause if you want the love of a man, come and get it. Oh, if you want the love of a man, you got to get with it. Oh, yeah. Ce vieux cul, mon frère. Qu'est-ce que tu crois qu'il y aura après ? Le plus grand braquage de toute ta vie. C'est sûr. Si je pouvais... je la prendrais ta maladie. Tu sais, depuis la mort de papa et maman, tu culpabilises vachement. Lâche prise. Lâche. Respire. Je cherche pas, il n'y a pas une seule photo de moi. Il s'est barré quand j'avais 5 ans et aujourd'hui c'est comme si j'existais pas. Tu sais, dans la bande, on veille tous un peu les uns sur les autres. Je sais ce que c'est de grandir sans famille. Maintenant, tu seras plus jamais seul. Moi, c'est l'inverse, tu vois. Je crois que ma mère m'a trop couvé quand j'étais petit. Elle m'a pas assez abandonné. Donc quand tu disais qu'on veille les uns sur les autres, tu parlais aussi pour Franck ? Non. Non, évidemment que non.
Dis-moi, Laure Gambet, dont le fils de 12 ans est mort d'une leucémie à cause de pétrochimie. Tu pensais que j'allais mettre combien de temps à comprendre que c'est ta sœur? Tu savais. Je suis flic, faut pas te rebeller ce que ça veut dire. Un flic, ça enquête et ça arrête, ça arrête, tu comprends ça? Viens, faut que je te parle. Impact? Non mais tu te fous de moi là? Le ministre, le parquet, tout le monde me fout la pression pour les choper et toi tu fais un pacte avec les Romains des banques? C'est pas des truands en cavale, c'est des gamins. Ils vont se rendre et l'argent avec. Fin de l'histoire. Non mais parce que tu crois vraiment à ton histoire de pacte. Écoute, Nat... Commissaire. Arrête avec ça. Ce qui s'est passé entre nous, ça n'a rien à voir. C'est pas moi qui suis en train de mélanger le personnel et le professionnel, si? Bon, tu vas prendre ton groupe et tu vas les serrer, d'accord? M'oblige pas à refiler l'affaire au groupe de Bromont. La BRI? Le groupe de Bromont, c'est des cow-boys, ils vont tirer dans le tas sur des gamins armés avec des flingues en plastique. C'est ça que tu veux? On a perdu un temps précieux avec tes histoires. Mais on va le rattraper. Par contre, ce sera pas sans conséquence sur ta carrière. Même avec ma protection. Putain, mais tu te rends compte de ce que t'as fait? C'est môme, là, comme tu dis. C'est les ennemis publics numéro un. Alors tu te mets au boulot, d'accord? Voilà, t'es calmé? Pas moi. Voilà, lui. Allez, on va loger les Romains, là! Putain! On met tout le monde sous surveillance. Les gamins, les infirmiers de l'hôpital, les ex-femmes, tout le monde! Le président de l'association, là, putain, Bruno. On le met sous surveillance, lui aussi. Ok, c'est parti, patron. Passez-moi, juge Brisson! Jean-Louis, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Va chercher des cafés! Oui, monsieur le juge Brisson, on est bar pour le nouveau. Bonjour. Bonsoir monsieur, bienvenue au casino. Sécurité du prince Hals Kulaji. Hey, you good boy. Hey, good evening. You good boy too. Ugly woman, but good boy. Oh, good girl. La prochaine fois que tu me touches, je te jure, je te casse la nuque. Oh, bad girl, bad girl. Où est-elle? Hi, girl, for you, gift. Hey! Hi, mister, for you, gift. Habis bi chocolata, hajtatna fruit. Sidiak mahya ou bientôt, fia. Tu parles arabe, toi? T'inquiète, j'ai été géo pendant 2 ans en Tunisie. Il m'a fait quelque chose. Je parle pas arabe, moi. J'ai fait allemand et LV2. Il va finir par nous griller, ce con. Chut. بكل في الجربلادوس الكوكتيل سلفيكول في الريسبشن يلا Bruno et sa femme sont dans la poker room. C'est impossible qu'ils soient venus ici comme ça pour le plaisir. Personne va pisser. Je les ai, mais je vois pas bien, je vois pas bien. On attend mon signal. Ils sont assis avec des Saoudiens. Ça a l'air de jouer très gros.
Restez en place. Je sens que ça va bouger. Bouge pas. Bouge pas avec tes mains sur la tête. Dépêche-toi. Sécurité. Tout va bien. Tout va bien. C'est la police. Sécurité. Il a un flingue. Sécurité. Ta gueule. Oh, voilà. Lévite ta tasse au water polo. Jojo, fais le PSM. Alors. Tapis. Payez. Payez. Lâche-la. Hop, c'est la police. Hé. Hey. Attendez, c'est la police. Attendez. 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 Hé, je te mets ma carte. Va, montre. Montre. Vas-y. Oh là. C'est monsieur qui gagne. Je suis en train de faire une interpelle, putain, espèce d'abruti, va. Vas-y, vas-y. Putain, il m'a piqué ma carte, ton culé. On est là. Il m'a piqué ma carte, ce culé, putain, quel bon abruti. Oh, ouais, ma chance, lui. C'est un scandale. C'est un fou, lui, là. Ouah, un déclenchon. Merci. Allez, on y va. Et c'est partir comme ça? Il n'y a pas de fraude. On peut rien faire. Sérieusement? C'est bon, t'as gagné. Je confie l'enquête à la BRI. Je veux plus voir sur cette affaire. Fichier ! Fichier ! Merde ! Fichier ! Bon, et bien a priori ça s'est pas bien passé. Elle nous retire l'affaire. Vous allez pouvoir profiter de vos RTT. Eh ben, les joies du sexe au travail. Fais péter le champagne! Encore! C'est ma fumoire, super! Tiens, mon petit frère. Plus qu'un seul braquage et on s'envole pour Buenos Aires. Fais-moi confiance. Attendez, les gars, on n'avait pas dit qu'on arrêtait les braquages une fois que toute la famille était indemnisée? Eh oh, nous aussi, faut qu'on soit indemnisés, hein. De toute façon, on pourrait aller nulle part sans argent. Alors, on fait ce dernier braquage. Ah, mais attends, ça t'a pas suffi le casino? Parce que là, il y en a un qui va finir par se faire descendre. Dans les films de braquage, c'est toujours quand les mecs disent que c'est le dernier qu'ils sont serrés. Qui c'est qui se fait tout le temps serrer en premier dans les films de braquage? Ah. Les Arabes, c'est vrai. Les Arabes. Vous croyez qu'il est mort? Ta gueule, je dors. Waouh. Oh là là, c'est fou de se dire que les étoiles qu'on voit là, eh bien, la plupart d'entre elles sont éteintes depuis des dizaines d'années. Et pourtant, elles brillent encore. Quoi? Mais tu veux nous pécho là ou quoi? C'est quoi ton trip philosophique là? Moi je reviens les mecs. Non mais c'est beau bordel. Enfin, y a pas de mots. Ouais bah ferme ta gueule alors. Alors, prête pour demain ? Se rendre une dernière fois tant qu'il n'y a pas de victime. Il a été décidé de les traiter pour ce qu'ils sont, de dangereux criminels. Et pour cela, il a été déployé des moyens policiers considérables. Je sais que l'opinion publique les soutient, mais croyez-moi, si vous avez des informations permettant leur interpellation, pour leur bien, appelez la police. Pourquoi tu continues, Léo ? Les familles sont indemnisées, ce qu'on a fait jusque-là, c'est juste... Et pour Ben, elle est où la justice ? Hein ? Il est où le bien ? Il est où le mal ? Mais Léo, t'as déjà pas respecté le pacte que t'avais fait avec ce flic. Et quoi ? Et quoi ? Et je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Je me fais pas d'illusions. Tu vois bien qu'il va de plus en plus mal. Ben partira pas avec nous en Argentine. Il est pas question d'arrêter. Qu'une seule manière de finir bien cette histoire. Léo, je sais que vous m'écoutez. Rendez-vous.
est bloqué dans le sas. Vous inquiétez pas, je vais lui ouvrir. Allez, bien, très bienvenue, il y a vos amis là-bas. Merci. Pardon. C'est l'argent de la banque qu'ils veulent, hein, pas le vôtre. C'est ce qu'il fallait dire. Merci. Mais taisez-vous maintenant. Bonjour, les Robins. Alors, lequel d'entre vous m'accompagne dans le coffre ? Superbe, très bon choix. Suivez-moi, c'est par là. En attendant, je vais vous raconter une histoire drôle. C'est le capitaine du Titanic qui arrive. Attendez, je vais vous séparer les billets marqués des autres. Non, non, je vous assure, on n'a pas le temps, là. Ça va prendre 5 minutes. Ouais, je sais, on n'a vraiment pas le temps. Oh, mon Dieu, qu'il fait chaud, vous trouvez pas ? On n'a pas le temps. Mais c'est qui chaparde, le petit chenapan ? Oui, chaparde. Il est vilain, hein ? Ou qu'il est vilain, ce petit chenapan ? On n'a pas le temps, madame. C'est trop long. Tu devrais être à l'hôpital. Ça changerait quoi ? Pourquoi tu l'as laissé faire ce coup ? C'est pour toi qu'il le fait, tu sais. Toi, t'aurais pu tout arrêter. Anna, qu'est-ce qui se passe, là ? Je suis désolée, Ben. J'aurais pas supporté qu'il se fasse buter, tu comprends ? Mais t'as fait quoi ? Mais c'est pour nous que je l'ai fait. On met les uns sur les autres, non, quoi qu'il arrive ? Il va pas se laisser faire. T'entends ? Léo va pas se laisser faire. Attendez, et le mec se trompe d'adresse en utilisant son GPS. Le mec est taxi, quoi. C'est incroyable. On se casse, les mecs. On se casse. Plan B. Ok, vous me verrouillez bien l'entraîneur. Ok, chef, on est en position. Cette fois-ci, on les tient. Ok. Ne fais pas ça. Je fais pas ça. Je ferme ma gueule. Imaginez maintenant tout ce qu'a pu faire qui ferait scandale. Mais. Mystère ! Pour la énième fois, les portables sont interdits en cours ! Mais enfin, mais. Mais oh, s'il vous plaît, restez assis. On compte sur vous. Allez, les filles, faut prévenir tout le monde. Ok, les gars, on change de look. De la rue du Four. Quoi ? Angle
Ok. À l'hôpital. Je peux pas laisser Stéphanie, mon fils, je peux pas. Mais vas-y, casse-toi, putain! On reste ensemble. Ben, ça va, mon frère? Grâce à toi, j'ai plus peur. Merci. Attends. Non. Non, je veux pas, je peux pas. Je veux pas que tu partes, frère, reste avec moi. Et toi, putain. T'es con, putain. Tu le fais moins bien que moi. Le plus grand braquage de toute ma vie. Et un. Et deux. Let's go. Mademoiselle Anna Vital, 18 mois de prison ferme. Messieurs Léo Pérez, Franck Usan et Lounès Soub, 4 ans de prison ferme. Ça veut dire quoi dans le game? Ça veut dire qu'il est là, qu'il va la chercher, qu'il la pousse comme il faut, quoi. Hein? Ça veut dire qu'il défonce. Léo, tous les flics de la ville ont passé 4 ans à chercher le pognon du braquage. Qu'est-ce que t'en as foutu, putain? La famille, inspecteur. Tout a toujours été une histoire de famille. Tout ce qu'elle voulait. J'aimerais juste une fois, juste d'être comme tout le monde. C'était d'être comme tout le monde. Au milieu des gens. Au milieu des gens. Personne ne l'a remarqué. Que personne ne l'a remarqué. Gracias.
pensamos con un 4-4-2 y después pasamos con un 3-5-2 para contarles el circuito de fuego, ¿ok? ¿Ok? Libres, que son las flores. ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Les agradecemos a todos por haber venido en este lindo domingo, lleno de sol, a ver el partido a beneficio de nuestra asociación, Show Qui Peut. Gracias a la generosidad de todos, tengo la alegría de anunciarles que ya hemos recolectado cerca de 100,000 pesos. En nombre de los chicos, muchas gracias. ¡Que empiece el partido! 1, 2 y 3. ¡Vamos! L'espace à son image, l'étendue de sa nature, l'ivresse de son parcours, le recul de ses blessures, le temps presse à l'infini, silence noyé dans l'oubli. Oh, le départ. Regarde au loin.
m'appelle le jeune, je suis pas à l'aise. Et un peu tout seul, même entouré. Un peu tout seul à l'arrière. On m'appelle le jeune à cause de mon âge. On s'occupe de moi, on doit savoir que je peux dérailler et me faire mal. Et je me vide la tête, je prends des trucs dégueulasses. Je veux pas rater des shows, je veux pas faire moins que mes potes avant que jeunesse se casse. Je m'habille et je pars de chez moi. C'est pas toujours des bonnes soirées, mais je me donne des chances de m'amuser. Ça va, et même si j'y arrive pas, et ça va, c'est bon, ça va. Et ça va, et même si j'y arrive pas, et ça va, c'est bon, ça va.